dommage, absolument. Il m'appelle. Tu vois, il y a un barème quand tu laisses un corps, c'est-à-dire tu fais trois fois son poids, normalement un homme moyen comme cette victime ci c'est trois fois son poids. Mais sinon, par exemple, ça change, hein. Tu as pour les enfants ou pour les nains, ça change. Pour un enfant, c'est... il est plus léger, un enfant, hein. C'est deux fois son poids. C'est quatre fois son poids. Comment ? T'as jamais eu de problème ? Non, non, parfois, par exemple, pour les nains, c'est une fois son poids. C'est beaucoup plus lourd, hein. C'est... les os sont beaucoup plus lourds chez un nain, donc c'est une fois le poids. Une vieille dame, par exemple, ou un vieil homme, cinq fois le poids. Les os sont poreux déjà, hein. L'amour laisse comme une traînée de soufre derrière lui, comme une odeur qui traîne et que malgré tout, dès que tu rencontres quelqu'un, tu sens, un peu comme quand tu vas pisser et que tu sens tes doigts. La zone sur ta machine. Tu vois, généralement, au début de mois, je me paye un petit facture. Hein. Je me lève le matin et je prends ma matinée pour récolter les pensions. Ce qui me permet, par la même occasion, tu vois, de repérer les vieux qui ont de l'argent. Hein. Nous sommes une équipe de télévision. Oui. Et nous effectuons un reportage sur les vieilles personnes et la solitude. Oui. Dans les grandes cités. Oui. Auriez-vous l'obligeance de répondre à quelques questions, s'il vous plaît? Je veux bien. T'as éteint un peu ta lumière. Coupe ça, imbécile.